Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On va prendre deux petites cartes ce matin. On va prendre une carte du jeu d'éveil et une carte du petit oracle, les messages d'éveil. Je vous montre les messages d'éveil et le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ce matin? Chut, il y en a peut-être qui dorment. Alors, d'accord. Alors, j'ai l'archange Gabriel qui me dit de prendre la 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et là, on va prendre une petite carte. La 2. 1, 2. D'accord. C'est très, très clair. Alors, je les découvre avec vous ensemble. Alors, on a la chaleur et le réconfort pour cette carte. Chaleur et réconfort. Et qu'est-ce qui apporte la chaleur et les réconforts? Le soleil, la lumière. Chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Je vous montre le texte, comme ça si vous voulez vous le lire ou faire un petit copie d'écran. Et je vous montre la belle photo. Cette jeune femme est inondée par la lumière et ça lui procure de la chaleur et du réconfort. Et c'est ce dont on a besoin. Mais ne vous inquiétez pas, tout arrive à point à qui c'est attendre. C'est le message de l'archange Gabriel. À qui c'est à, tout vient à point, à qui c'est attendre. Excellent. J'adore cette... c'est ma grand-mère qui me disait ça, mais l'archange Gabriel le répète aussi. Alors là, on a le Lieki. Il n'est pas très joli comme... voilà, il n'est pas très joli créature mythique et légendaire. Cet esprit est gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave. Te montre ta vraie nature. Souviens-toi que tu es un être divin incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Cet esprit est gardien de la forêt des arbres dans la mythologie slave, te montre ta vraie nature. Souviens-toi que tu es un être divin incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. C'est ça. On n'est pas prisonnier de notre corps, mais on est bien dans un corps. On en sera libéré ben, à notre mort et notre âme continuera à évoluer. Mais là, pour l'instant, on est venu s'incarner pour apprendre, pour expérimenter, pour vivre des expériences. Je vous relis cette magnifique carte, chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Ce sont les expériences dont nous parlons. Si je vis toutes ces expériences de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois à un avenir meilleur, à un monde meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Voilà les amis, je vous embrasse, passez une excellente journée. N'oubliez pas les pouces bleus, likez, partagez cette vidéo, commentez et je vous dis à demain.